Salut à tous et à toutes, c'est Hypark, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Sauvage Clan. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment qui je pense va vraiment vous plaire. Aujourd'hui on va un peu différencier de d'habitude. On va parler des records qu'il y a sur Black Ops 3. Avant de commencer le sujet, je tiens quand même à dire qu'on va en vidéo cette vidéo à code QG et à code CF. Merci si nous upload. Donc en support visuel vous aurez le world record du plus gros ratio réalisé sur Black Ops 3 en domination. Il a été réalisé par nous, notre nouveau membre Frags. Donc il s'agit d'un 120 de ratio en domination. Si ce n'est pas un world record, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je corrigerai directement. Il l'a réalisé à la Razorback en groupe de 5 sur Skyjacked. Donc je sais c'est de la Razorback et c'est de l'hardcore, mais c'est quand même le plus gros ratio sur Black Ops 3. Donc je ne pouvais pas l'upload. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va récapituler tous les records qu'il y a eu pour l'instant sur Black Ops 3. Donc les plus gros, je ne vais pas citer les plus gros GS, etc. Ça ne sert un peu à rien, il y en a tellement de records, il y en a même des gens qui en inventent un peu. Donc c'est un peu chaud par rapport à ça. Du coup voilà, j'ai vraiment cité les plus gros. Donc tout d'abord on va commencer directement avec le record de kill sur Black Ops 3 qui a été réalisé par la Tapix. Donc à chaque fois je vais dire les teams parce que je vais pas dire à chaque fois les membres, c'est un peu chaud. Donc il a été réalisé par la Tapix. La Tapix c'est une team américaine qui a pas mal d'abonnés. Donc je mettrai tous les liens des teams dans la description je pense. Donc il a réalisé ce gameplay en spawn trap sur Nukton. Il a fait un 458 kills. Donc avec la boule vous avez vu que c'est vraiment du gros spawn trap, mais ça reste un record. Ils ont quand même bien géré les spawns, il faut quand même pouvoir les faire spawn devant soi. Et c'est bien joué à eux. Après pour le record de kill en hardcore, il est de 324 kills en domini bien sûr par la Carnage Clan. Donc qui je pense pour moi est la meilleure au monde, la team la plus méritante dans le monde. Donc c'est vraiment un gameplay de ouf hein, 324 kills. Donc là par contre là il jouait en domi. Donc c'est qu'il y a un mode un peu plus compliqué quand même à gérer. Bien sûr en létal hein, les gars, pour ce gameplay. Après pour ce qui est du record de kill en non létal, il a été réalisé par, là cette fois par Reziol, qui n'est pas dans des teams. Du coup je cite son pseudo. Il a fait un 279 kills en non létal. Donc tous ces GP les gars sont réalisés en groupe de 6. C'est normal. Voilà, 279 kills, c'est juste énorme. Vraiment un gros GG à lui. Pour ce qui est des nucléaires les plus rapides du monde, on attaque avec encore la Tapix qui a réalisé une nucléaire en 24 secondes, les gars, c'est juste énorme. C'est encore du spawn trap en liaison satellite, mais c'est quand même un truc de fou. 24 secondes, c'est juste énorme. Après, pour ce qui est de la nucléaire en solo, ah bah là, c'est DFR. C'est la Obscure Clan qui a la nucléaire la plus rapide du monde en solo. Elle a été réalisée en 51 secondes sur Newton en domi hardcore. GG à lui vraiment pour ce gameplay. Après pour ce qui est du plus grand nombre de nucléaires sur Black Ops 3, vous devez tous le savoir, c'est la Hexa Nucléaire. D'ailleurs un FR l'a réalisé, GG c'est Narzo. Mais ce n'est pas lui qui a eu la première dans le monde. La première dans le monde a été réalisée par la Anonymous. Donc notre parrainage qu'on a avec eux. Nous on est la section FR et eux ils sont la section allemande. Et la section allemande a réalisé la première Hexa Nucléaire. Elle a été réalisée très tôt. La Carnage a fait une vidéo sur ça, la Hexa Nucléaire qu'ils avaient mis World First. Mais c'était juste pour les vues. La Anonymous l'avait un mois avant eux. Il l'avait depuis un très long moment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire mon mieux pour récupérer les meilleures performances sur Black Ops 3. C'était Hypark, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bye et à la prochaine.